Depuis, les limites foncières interminables ont entravé le développement et créé des doutes, des tensions au sein de la société. Un nombre important de dossiers sont pendants en justice, selon le Premier ministre. Pour mettre terme à cette pratique, le gouvernement guinéen prend un pas décisif pour résoudre ces problèmes en procédant à la délivrance des titres fonciers sécurisés, un système résistant à la fraude. Le processus de délivrance des titres fonciers a été entièrement digitalisé. Une plateforme permet ainsi de traiter, de retracer de bout en bout tout le processus. De plus, nous avons mis en place un manuel de procédure clair offrant aux citoyens et aux acteurs du secteur une référence détaillée sur les étapes à suivre. Cette réforme du gouvernement réjouit le conservateur des titres fonciers de Conakry. Il rassure que les erreurs d'identification ne seront plus à l'ordre du jour, pas que. Et le délai de traitement, au lieu de 6 mois, on va passer à 2 mois, 3 mois pour obtenir un titre foncier. Cette innovation du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, donnera sans doute la certitude aux citoyens d'investir dans la terre. C'est pourquoi le Premier ministre persiste sur le contrôle des prix. J'insiste sur le fait que les prix doivent être encadrés pour le bien de nos populations. Les géomètres, les notaires doivent quand même, sur un document, appliquer au moins les tarifs. Le clou de la cérémonie a été marqué par la remise des premiers titres fonciers sécurisés aux citoyens qui ont trop attendu. Les nouvelles routes de la soie permettent à certains pays de développer des infrastructures portuaires, des routes et chemins de fer grâce aux investissements de la Chine, des investissements sous forme de prêts, d'aides, de bails ou infrastructures contre minerais. Certains pays aujourd'hui se sont retrouvés dans des situations d'endettement chronique. Voilà, on connaît le cas de la Zambie, on connaît le cas du Sri Lanka. C'est des pays qui étaient inscrits dans ce schéma, mais qui se sont retrouvés surendettés et en incapacité de payer la dette chinoise. Et ils se sont retrouvés en train de perdre une partie de leur territoire. La Chine profite aussi pour s'installer militairement en Afrique. C'est le cas en Somalie et à Djibouti. Donc c'est aussi une forme de domination, à la fois militaire, mais aussi stratégique à l'échelle internationale. Et donc cela aussi peut compromettre la souveraineté de certains États. Ce qu'il ne faut pas occulter, et dont d'ailleurs il faut faire attention, c'est l'inégalité entre les pays visés par le projet. En Guinée, des infrastructures minières et portuaires sont développées à Boké. Elles génèrent de l'emploi. Donc il ne suffit pas de créer d'emplois, mais il faut se soucier aussi de la qualité de l'emploi créé et l'impact de salaire versé aux travailleurs. Actuellement, la Chine détient 70% de la dette extérieure de la Guinée. À cela s'ajoutent des problèmes environnementaux dans les zones minières. Cet enseignant-chercheur suggère. Il faut d'abord qu'on ait une très bonne gestion des projets financés par la Chine. Et deuxième, il faut bien gérer la dette. Qu'est-ce que j'entends par bien gérer la dette? C'est dès maintenant qu'on négocie avec la Chine afin qu'elle nous prête à des conditions concessionnelles et qu'elle nous donne les conditions de remboursement les plus favorables sur le marché. Mais cela ne se fera pas dans l'opacité. En Guinée, le manque de données fiables sur les citoyens constitue un véritable problème. Dans différentes institutions, différentes informations peuvent exister sur un même citoyen. La résolution de ce souci est très prise au sérieux par les autorités de la transition, d'où l'inscription du recensement civil à vocation d'état civil comme deuxième point du chronogramme de la transition. En Guinée, c'est pas rare de voir une seule personne représentée par 3 individus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous remarquerez que la carte d'identité ou l'extrait que vous avez, vous n'avez pas la même identité que la carte d'identité. Et la carte d'identité que vous avez, vous n'avez pas les mêmes informations que le passeport. Ce programme, une fois à terme, devrait permettre l'interopération de toutes les bases de données
en attribuant à chaque citoyen un numéro unique d'identification. Mais avant, organisations de presse, sociétés civiles, départements ministériels et partenaires techniques et financiers discutent d'une stratégie de communication et de mobilisation sociale. Nous sommes très contents que chacun soit là, chacun puisse se l'approprier et nous espérons que cette implémentation puisse se faire correctement et une appropriation au niveau de tous les médias de services publics et privés pour que cette stratégie nationale de communication et de mobilisation sociale soit une réussite. Dans le passé, le fichier électoral a toujours été entaché par les cas de doublons. Cette étape tente aussi de corriger cette lacune. Notre rôle est, de la base au sommet, convaincre les citoyens, les mobiliser pour qu'ils comprennent le bien fondé de ce processus-là afin de s'impliquer massivement pour que chacun soit identifié, pour que chacun puisse se recenser. Et puisque l'ORAVEC est un des points clés de la transition, nous pensons que le fait de se doter d'une telle stratégie permet à notre pays de donner de la clarté dans les actions de la transition et nous permettre d'aboutir à un fichier électoral non contestable qui permettra la tenue des élections. L'objectif final recherché est d'offrir à la Guinée un registre national d'état civil et un registre national fiable et assaini des personnes physiques.